Pas du tout. Bon, on va recommencer alors. Les problèmes ont commencé il y a 3 ans. Ouais, non, mais on sait. Vous avez. J'ai pris, je trouvais ça. Ok, l'ami. L'ami Ricoré. Non, faut aller chercher les dragons. Au moins c'est clair. On va pas y piloguer dessus pendant 20 ans. Ma force, ça va être mes dragons. Donc j'ai envie de dire très bien, écoutez, partons là-dessus. Partons là-dessus. Ah, j'ai jamais été une. Ah, si, faire la statue. Partir sur la statue quand même. Qui a vite me fait avoir des. C'est vrai que j'ai que ça. Enfin. Les gemmes. Vraiment chercher le pognon. Manoir, il faut une guilde des voleurs, ça non? Hop, on peut faire un manoir. Œil d'aigle, c'est de la merde. Ok. Tac. Et pour faire le mausolée, il faut une guilde des magiciens. C'est ça, c'est ça. Ok. Bim. Population augmente. Du coup, j'ai pris du retard parce que je peux pas faire mon mausolée. Ok. Ok. Donc maintenant, prochaine étape. Donc on est assez de pognon pour avoir. Qu'il fallait quoi? 5, je les ai, c'est le soufre. Je vais chercher du soufre. De souffrir là. Ok. Ok.
5 de soufre. Ok. Alors, 1, 10 000, je les ai. Faire une place du marché. Combien a dit qu'il me fallait? 10, 10. De la gemme, je peux échanger de la gemme déjà. Ok, c'est que 5 en gemme, non? Ouais, ok, encore un. Ok, le jour 6, donc c'est parfait. Ça va pas pour bon moment. Alors, évidemment. Et bim. Donc là, parfait, on fait pop. Les dragonnets. Bon, de toute façon. Que là, le gros du job est fait.
Ouais, j'ai besoin d'XP quand même. Puis bon, ça me fait toujours rien de tuer les petits pisons. Bon, c'est le premier à se révolter, hein. Ok, puis ça fait des squelettes. Oh, c'est pas négligeable, là. Ok. Balistique, important. Direct. Tant pis pour toi. Ok. De toute façon, les archers sylvains, c'est toujours des sales races. Qu'est-ce qu'il nous sort d'hypnose? Il fout de ma gueule, toi. La chiasse, quoi. Ok. On va au moins se gaver là. Ok. Donc toi ici. J'ai pas fait de puits. Ça c'est bien bête de ma part. Ah. Est-ce qu'ils vont être agressifs? Peut-être lui, mais pas sûr. Non, ah bah eux si je peux m'en épargner. Pas se mentir, on le fait tout de suite. Hein. Ouais, par contre, il y a un moment, il va falloir que j'en tue 2-3 quand même. Mais ouais, c'est vrai que. Ah, mon start aurait pu être meilleur quand même. Ok.
Le problème c'est que là, voilà. Se faire ça vite fait. Du coup, on a gagné pas mal de pognon. Alors, on va dire que ça va être un start pas trop dégueulasse. Comme les surveiller. Ok, très bien. Attendant. Ok, mon prochain arrive. Faire ça. C'est pas grave, il faut de l'argent. On peut en récupérer un peu. On a quand même pas trop mal. Il faudrait que j'aille chercher ça. Grand mausolée, il me faut quoi, une guilde des mages niveau 2, ce qui serait pas mal aussi pour moi. Avant de partir à l'abordage. Ok. Descendre direct en bas. Écoutez, c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Je souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Et on se retrouve donc très bientôt pour la suite de nos aventures sur Heroes of Might and Magic 2. Même si j'ai bien envie d'aller chercher cette putain de game.
Ou des squelettes. Il y a le château. On doit le prendre, on est d'accord. Ah, il a quoi? Ok, direct. La chatte du dieu. Propose, c'est un aveuglement. Ce que je propose. Hop. 900 nick. Sur ce, bonne nuit tout le monde, à la prochaine, ciao ciao. Il va falloir trouver un pack si je me souviens bien. On est plutôt bien avancé. Ça, on n'avait plus de pognon, on avait récupéré un des châteaux. Ok, donc. Là, la mademoiselle. Et évidemment, il va falloir la faire grandir et lui faire gagner un petit peu d'XP. Du coup, on va faire un peu le tour. Un peu le tour, ça permettra de protéger la zone. Pour le reste, eh bien... Je ne sais pas trop s'il y a des ennemis encore qui traînent. S'il reste une grande inconnue, eh bien non, il n'en avait plus. Donc, très bien. On va aller pouvoir chercher 2-3 trucs qui traînent ici. Expert. Hein. Donc. Qui vient?
Oh, on peut pas exclure qui veuille venir nous dire bonjour. Oui, de toute façon, la nécromancie est un travail d'avenir. J'aurais pu en aller plus haut. Lol. Du coup, on lui a cassé les dents. Alors, c'est un mage. Voilà, c'est ce qu'on aurait pu... C'est ce que j'imaginais bien. Qui m'envoie un sort de ses morts. Ok. Là, ça va peut-être valoir le coup plutôt de lancer un troisième héros. Ok. Si... Non. Lui non. C'est quoi 0-3-3-2? Putain, on n'a pas un barbare. Bon. Disons qu'on va pouvoir partir sur elle. On verra améliorer toute cette zone. Jour 7. Ok, toi tu rentres à la maison. Comment une guilde de 3. Ok. Non, on va aller chercher Lilou. Alors, pourquoi les loups? Ok. En tout cas, je vous mène jusqu'à une tribu d'êtres ressemblant étrangement à de grands singes. Ceux-ci allument leur feu grâce à un caillou de lave magique qui ne refroidit jamais. Prenez pitié d'eux et leur apprenez à allumer un feu à partir de quelques brindilles. Voyant en vous le dieu qui ne l'attendait plus, ils vous offrent leur caillou. 50% de l'animateur aux troupes ennemies lorsque vous jetez des sorts de feu. Écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Ok, alors on a le vert qui arrive. Est-ce que le vert il est chaud patate? Je sais pas trop. Alors, même s'il l'est pas. Putain, j'ai plus de pognon. Coûte cher hein, ces conneries quand même. Ok, donc il s'est barré de toute façon. Donc on va le chercher au prochain tour. Ok, on est large. Ouais, ils ont personne quoi. Ah, ils en auraient suffisamment pour m'embêter, on va dire. Quelque peu, par contre, là. Il va nous falloir aller chercher de l'argent.
Pyramide, claque. Je pense que j'ai fait le tour du reste. Ok. Ouais. Bah écoute-toi. Où ils se barrent tous. Mais évidemment, ça ne suffira pas. Points de dégâts. Ouais, 50 PV. Bon, ça, je m'y attendais. Très bien. Ah bâtard, il a dû passer par là. Ok. Écoutez, on peut se servir d'elle. Hein. Pour aller chercher 2-3 trucs. Là, il n'a pas pu disparaître comme ça. Si. Ah bah si. Ceci est fort intrigant. Je vais vous mentir, ça m'intrigue. Là, on va monter un petit peu au nord. Donc lui, il a commencé à être stuff tranquillou, assez pour se défendre contre une prochaine incursion, mais ceci étant, ils vont lui piquer là. Enfin, déjà, toujours ça en moins. Ah, c'est marrant quand même comment d'une partie à une autre ça peut évoluer. Hein. Parce que la partie précédente, le mec il avait chopé mais genre des unités de ouf. Ah oui putain mais non je suis con. Ah pas de chance, il y a des morts vivants man. Bon, on n'a pas quand même une grosse puissance d'attaque. Hein. Mais mes dragons sont même pas en mode premier de cordée quoi. Ouais, normal. Ouais, ça c'était sûr. Pas très grave. Abîme direct, ok. C'est vrai que ça que je regrette aussi un peu, c'est dans le 2, en tout cas dans le 3 il y est, c'est la possibilité de garder son meilleur héros pour les prochaines quoi. Du coup vous aviez des héros complètement pétés. Ça c'était top. Donc ben voilà, ça va être fini. Du coup ça s'est quand même mieux passé que la dernière fois. 3.
Le Saint-Cri. Écoutez, je ne connaissais point du tout cette attaque. Le Saint-Cri. Mais j'aime beaucoup son nom. Alors, on aurait pu s'épargner peut-être 2-3 trucs. Mais... Ah non, on a gagné. Hein. Qu'ils étaient plus. C'est possible, hein. Ou alors il y a un héros qui traîne quelque part. Ok. Ah, il était caché. Ok. Que là il avait tout acheté, bien sûr que non. Donc on va s'éviter des déconvenus. Les rocs, qu'est-ce qui me manque? Il y a les galopins, c'est pas les galopins. Bah si, c'est les galopins. Parce que normalement après il y a le... Non, puis je me suis trompé. Bidous. Quel mauvais. Ah oui, il avait même pas fait le licorne. Ah bah oui, maintenant. Par contre, alors, ça veut dire deux choses. Soit il a une autre base ailleurs. Ce qui pourrait être possible, hein. Ah non, en fait, il est... Ouais, c'est juste qu'il est mort, quoi. Il me fait juste chier. Je devrais attendre la fin de la semaine. Oh, pourtant, il était correctement stuff, hein, le coquin. On fait durer le plaisir, bien sûr, et hop, hop. Et le combat final. Donc, tu as l'occasion de l'éclater. C'est un échec. Ah oui, c'est vrai que c'est connerie, j'ai toujours du mal à bien imaginer le mode de fonctionnement. Classique. Mais écoutez, victoire. Donc. Très bon travail, général. Nous les avons impressionnés, ne croyez-vous pas ? Les seigneurs les plus indécis devraient maintenant manifester la plus grande loyauté à mon égard. Et d'autres hésitent peut-être encore. Je crois qu'une nouvelle démonstration de notre puissance ne serait pas inutile. Les terres gelées de Crashaw, au nord, abritent de nombreuses tribus de barbares que mon père n'avait pas jugé utile d'asservir. Ces barbares peuvent s'avérer dangereux s'ils s'organisent. Heureusement, ils n'y sont encore jamais parvenus. Je vous envoie sur place pour les placer sous notre joug. Ils constitueront d'excellents fantassins et nous apporteront une aide précieuse pour réprimer la rébellion.